À vous de choisir la taille de ciseaux. Évidemment, pour Gypsy, on ne va pas prendre des tout petits ciseaux, donc un minimum, c'est quand même cette taille-ci à peu près qui doit faire, je dirais, 16-17 cm, ou des plus grands. J'emploie rarement les trop grands sur elle, parce que j'emploie ça surtout sur mon grand caniche blanc, sur son corps. Il faut faire vraiment des grandes surfaces, mais sinon, je préfère cette taille-ci. Alors, donc, on va commencer par faire la séparation entre l'oreille et le pompon. Là, c'est notre premier travail. Voilà. Il faut faire attention à chaque toilettage, ne pas prendre plus de poils de l'oreille avec. Sinon, on se retrouve ici avec un morceau qui est court, ce serait très moche. Et quand on fait un caniche pour la toute première fois, il ne faut pas louper son coup. Il faut bien faire cette séparation au bon endroit. Ici, il y a une petite bosse derrière l'oreille. En général, moi, je regarde bien où est cette bosse et je pars de là pour ma transition. Je tourne un petit peu la tête comme ça, ma poupée. Voilà. Qu'on voit bien. Hop. Et alors, on va commencer nos petits murs, bien droit vers le haut, sans commencer à arrondir, donc simplement bien droit vers le haut, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de poils là. Voilà. Alors, ensuite, on retourne l'oreille. Sans trop tirer dessus, bon, je suis un peu mal placée pour la caméra, mais voilà, on continue les petits murs à partir de la joue.